Donc voici le bureau de Cyrine, comment il est. Comme ceci, on a pris le modèle de chez IKEA. Donc voilà, c'est un petit bureau. On a pris une chaise avec. Voilà. Alors le bureau, c'est avec petit tiroir, comme ça. Et ici, on a rajouté un caisson. Voilà, voilà. Donc la chaise aussi, elle vient de chez IKEA. Par contre, pour la poubelle, je crois que je l'ai pris à Action, si je ne me trompe pas. Et au-dessus de son bureau, donc, on a mis ça. Ça, je l'ai trouvé à Action. Donc, voilà, très simple. Ça permet de couvrir et d'éviter les taches. Je lui ai pris une petite lampe avec deux lumières, une chaude et une plutôt froide. Hello Kitty, donc celle-ci elle se charge avec un câble USB, elle vient de chez AliExpress. Donc ça c'est juste une tasse que j'avais à la maison, donc je l'ai bombée, je l'ai mis comme ça. Le petit trou là c'est pour les prises etc. Elle a mis son calendrier, voilà. Un calendrier que j'ai acheté à Oxybulle et d'ailleurs aussi le globe. Qui vient de chez Oxybulle. Elle adore son globe. Ça lui permet d'apprendre plein de choses. J'essaierai de vous faire avec Cyrine une petite revue de ce globe. Donc là-bas, on a un petit caisson là où elle met tout ce qu'elle réalise en fait, ses dessins, ses petits voilà, tout ce qu'elle réalise à la main, coloriage, dessin, etc., peinture. Donc, on le range ici à l'intérieur. Donc, ici, qu'est-ce qu'elle a rangé? Elle a mis son appareil photo avec les écouteurs, l'iPad. Plutôt, c'est pas l'iPad, c'est sa tablette. Avec le chargeur. Et ici, voilà, un petit tableau magnétique avec des lettres. Ici... Donc, elle a rangé son petit bloc-notes avec un crayon, des feutres et une trousse là où il y a les essentiels pour, voilà, pour écrire, effacer, etc. Là-bas, c'est des stylos qu'on a achetés au Lidl et franchement, ils sont nickel parce qu'ils sont métalliques, néons, etc., pailletés et elle adore colorier avec. Donc ici, c'est tout ce qui est, en fait, elle a des petits gems ici, tout ce qui est scotch, un peu de déco quoi, avec de la colle pour décorer des choses qu'elle fait, avec des paillettes aussi. Hop, elle a taché son bureau, mais elle n'a pas nettoyé, bref, je le ferai après. Donc ici, c'est tout ce qui est peinture en fait. Elle adore faire de la peinture. Donc ici, on a des peintures qui viennent de chez Action, d'autres qui viennent de chez IKEA. Elle a des crayons de couleur qu'elle n'aime pas trop. Elle n'aime pas colorier avec des crayons, je ne sais pas pourquoi. Et là, c'est tous ses pinceaux, etc., etc. Et tout en bas, donc, elle a mis tous ces petits jeux qui ne vont forcément pas dans sa bibliothèque. Donc, des jeux de cartes, des puzzles, des lettres comme ça, voilà. Ça, c'est un petit jeu, par exemple, qu'elle a acheté à Action. Enfin, il y a pas mal de choses. À chaque fois que j'essaie de vous faire une vidéo sur les jouets préférés ou les jeux préférés de Cyrine, franchement, je trouve jamais le temps de le faire. Donc, je vais essayer de le faire pendant ses vacances scolaires. Comme ça, elle participe avec moi pour la vidéo. Et voilà, à côté, c'est sa bibliothèque. Elle a un petit coffre ici où elle collectionne ses stickers parce qu'elle fait de la natation. Et chaque fois qu'elle passe un niveau, donc il lui donne des stickers qu'elle doit ranger dans ce coffre. Donc, c'est un peu comme un coffre à trésor, quoi. Ici, il y a tous ses livres et en bas, c'est tout ce qui est jeux éducatifs, trucs de coloriage, grands puzzles, etc. Voilà, donc ça, c'est le bureau de Cyrine. Je trouve que ça fait plus joli, plus classe. Voilà, ça se voit qu'elle a grandi. Pour son vieux bureau, donc on l'a bien nettoyé et on l'a donné à Nour, qui commence aussi à apprécier tout ce qui est coloriage avec des crayons de cire ou encore un petit peu de peinture de temps en temps. Voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. Thank you.
J'ai fait fraise banane. Mais pourquoi tu as mis avec du miel? Pour que ça soit. Je veux. Une tartine au beurre? Non, pas une tartine au beurre. Ado? Oui. Mais ça, c'est des reines Claude. Des reines Claude. Deux ou trois? Deux. Ça a des petits choux roses de. On peut pas manger sans probes. Maman? Ou les roses de Nutella? Maman, aujourd'hui, tu n'as pas fait des pâtes? Non, tu veux que je te fasse pointe? Oui. Hmm? Oui. Ça. Oui. Ouais, voilà, bonne table, petit. Tu l'aimes bien? Attention, Ham, il est bien. Un petit peu pour papa. Ça va comme ça? Allez. Yeah, c'est largement suffisant. On mange tous ensemble. Deux bonnes gaufres. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes dernières trouvailles pour mes filles. Je sais, je les gâte trop, mais bon. Alors, je vous ai dit dans le vlog précédent que Cyrine, il lui fallait vraiment une doudoune pour l'hiver. Donc, comme l'année passée, cette année aussi, j'ai opté pour la marque Tape à l'œil. J'étais pas déçue l'année passée, elle avait une doudoune magnifique. Le froid ne passait pas du tout, non mais du tout quoi. Même niveau design, etc. Elle était très fonctionnelle, elle était très à l'aise dedans, elle la mettait presque tous les jours. Donc cette année aussi, j'ai foncé. Parce que le week-end passé, je suis partie en France.
à Metz chez ma belle-mère et quand j'y vais, je profite toujours pour faire les magasins là-bas. Donc, tape à l'œil, ils avaient des promotions. Donc j'ai pris la doudoune pour Cyrine, elle coûte 50 euros et ils avaient 10 euros de remise immédiate à la caisse. Donc ça fait 40 euros, ça m'a fait 40 euros. Plus j'avais aussi 10 euros de réduction avec mes points bonus. Donc ça m'a coûté 30 euros la doudoune. Et je peux vous dire que c'est une doudoune vraiment qui tient super chaud, elle est magnifique. Donc je lui mets un pull assez léger parce qu'en classe il fait chaud. Par contre pour sortir elle met sa doudoune et le froid ne passe pas du tout. Elle est très à l'aise dedans. Donc la fourrure au niveau de la capuche ça s'enlève. Elle est amovible. Et puis ici au niveau de la taille elle est cintrée avec un élastique. Et je trouve ça super joli. Surtout une fois portée au niveau de la taille ça fait très très joli. Voilà donc il y a des poches ici, là. Elle est trop belle. Et donc on lui a marié ça avec un bonnet qui est comme ceci, donc du bleu marine avec un petit peu de doré, beige et un petit peu de vieux rose. Donc le bonnet il était à 10 euros, pareil l'écharpe qui va avec, voilà en anneau et qui tient super chaud, elle coûte 12 euros. Et on a pris aussi des moufles. J'aime bien ces moufles là parce qu'en fait ça, on peut sortir les doigts et puis si on veut couvrir les doigts on n'a plus qu'à voilà, c'est comme une sorte de capuche pour les doigts et voilà, elle peut couvrir ses doigts. Mais je sais que ma fille n'aime pas trop couvrir ses doigts, elle préfère sortir ses doigts pour voilà, pour utiliser ses mains justement pour être à l'aise. Ensuite bien évidemment je peux pas acheter pour une malgré même si Nour elle en a plein, elle a plein de manteaux qu'elle a pris de chez sa soeur. Même si on veut se balader en poussette quand il fait super froid. Donc je la mets dans une combi pilote comme celle-ci. Et celle-ci, je l'ai achetée à Tapalé aussi. Donc elle était à 38 euros plus 10 euros de remise immédiate à la caisse. Donc ça m'a coûté 28 euros. Ça au niveau des pieds, donc c'est amovible. Vous pouvez laisser ou l'enlever. J'aime beaucoup la couleur. Elle existe dans d'autres couleurs. Mais j'ai adoré la couleur là. Et puis elle a le bonnet qu'il faut avec, etc. Donc on a pris celle-ci. Regardez, elle est fourrée à l'intérieur. L'année passée aussi, elle avait une combi pilote. Elle a passé tout l'hiver avec. Mais bon, elle était trop petite. Cette année, c'est clair que si je l'emmène en voiture pour la déposer à la crèche, etc. Donc je lui mets son manteau. Par contre, si on veut se balader dehors quand il fait super froid, donc ça, c'est une meilleure idée de lui enfiler son combi pilote. Voilà. Donc je trouve ça très avantageux. À tape à l'œil, oui. Et puis la qualité est vraiment topissime. Franchement, je regrette jamais mes achats chez tape à l'œil. Puis pour Cyrine, il lui fallait des baskets pour tous les jours. Donc j'ai foncé au Marc Avenue. Donc Marc Avenue, c'est un, on va dire, c'est une sorte de centre commercial où il y a des magasins outlet. Il y a plein de marques. Et cette fois-ci, on a opté pour le coq sportif. On a trouvé que les modèles étaient super classe. Ça change un peu de tout ce qu'on voit, les Puma, les Nike qui sont, voilà, qu'on trouve un peu partout et qui coûtent très très cher. Avec les enfants, ça s'abîme facilement. Donc je me suis dit, allez, on prend quelque chose de bonne qualité avec un design très classe. Et puis, ça nous revient moins cher d'acheter dans un magasin outlet. Donc la paire, elle était à 35 euros et si vous prenez une paire, vous avez la deuxième à moins 50%. Donc pour les deux, je crois qu'on en a eu pour 50 ou 52 euros. Donc voilà, celle-ci c'est avec des scratchs. Voilà, très jolie en noir. Et puis celle-ci, elle est en cuir. C'est des baskets montantes et puis elle est fourrée de l'intérieur. Donc idéale pour la saison. Voilà, et puis ça se ferme comme ça avec des fermetures éclair, pas besoin de faire ses lacets et je trouve ça génial pour ma fille qui ne sait toujours pas faire ses lacets et qui galère quand elle est à l'école et qu'elle a sport et qu'elle doit changer ses baskets et tout. Donc voilà, c'était mes achats, j'espère que les bons plans vous ont apporté un petit quelque chose. Je vous mettrai dans la barre d'information le lien sur le site de Tape à l'œil. Et puis aussi l'adresse du Marc Avenue près de Metz.
si vous voulez faire un tour. Franchement, vous n'allez pas le regretter. Vous allez trouver de très bonnes affaires là-bas toute l'année. Voilà les filles.